Bonjour, on est effectivement aujourd'hui sur le Smart City, Smart Building Summit. C'est des gros mots hein, quand on n'est pas, quand on connaît pas l'univers du monde de demain. Et alors là, moi, je suis très heureux d'accueillir Ibrahima. Alors Ibrahima, le monde de la musique, des artistes, tu es quand même très connu dans ce monde. Peut-être, voilà, avant de parler de ton projet de Smart City, peut-être rappeler, alors du coup, aux gens des Smart Cities, c'est ce que tu fais quand tu n'es pas sur ce projet. Quand je ne suis pas sur ce projet, moi, je suis producteur d'artistes. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir invité pour venir parler du projet, de sur quoi on travaille actuellement. Donc moi, je suis producteur de musique. Donc, pour donner un exemple, le dernier gros titre que j'ai produit, c'est Ramener la Coupe à la Maison pour célébrer la victoire de nos joueurs. Ah, celui-là, on peut le chanter. Hein. Le chanter par cœur. Donc, voilà. Et ce métier m'a amené à voyager à travers le monde. Et quand on voyage, si on est curieux, on regarde ce qui se passe. Et des fois, il y a des choses qui nous touchent. Et quand je suis retourné dans mon pays d'origine, au Sénégal, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, avec la technologie, avec l'humain, j'ai eu l'idée de créer un village intelligent. Un village où aujourd'hui, on peut utiliser les innovations au service de l'homme. Alors, au village francophone, les entrepreneurs africains, toutes ces startups, ça fourmille. Il y a une énergie, on la connaît. Elle est magique hein, parce que c'est vraiment un des flux énergétiques du village. C'est cette jeunesse, c'est cet entrepreneuriat. Mais c'est compliqué. Structurer l'urbanisme en Afrique, c'est compliqué. Et c'est là où ton projet gagne une vision. On prépare. Explique-nous un peu voilà, ce que tu voudrais faire. On ferme les yeux. Allez, on revoit dans 5 ou dans 10 ans cette interview. On a réussi le coup. Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce que tu veux faire concrètement En fait, c'est quoi? C'est une ville où, comme je le disais, les hommes ils sont au centre, où on arrive à recycler nos déchets, où on arrive à faire moins de gaspillage, où il y a des routes qui sont tracées, il y a le respect, il y a une urbanisation, il y a une vision architecturale, une vision en termes de construction, où les choses elles sont plus facilement accessibles, en fait, moins de gaspillage. Pourquoi? Aujourd'hui, on regarde Saint-Louis au Sénégal, c'est une ville où il y a la mer, c'est une ville qui est magnifique, mais c'est une ville qui a un peu, il y a beaucoup de choses à développer. Et autour de ça, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, utiliser nos expériences, utiliser le savoir-faire pour pouvoir le ramener dans un lieu où tout est à faire, où tout est à construire. Alors, en plus, Saint-Louis, c'est quand même très symbolique parce que c'est évidemment un lieu qui, alors, semble-t-il, en plus magnifique, encore vierge, mais c'est aussi dans les relations entre l'Europe, l'Afrique, il y a toute cette histoire, et c'est bien d'amener un futur là où le passé n'a pas toujours été particulièrement... L'aéropostale, Saint-Exupéry, il y a beaucoup de choses. Ces fameux bâtiments coloniaux, aujourd'hui, ce n'est pas dans la ville de Saint-Louis que je travaille, c'est à côté, c'est-à-dire à quelques kilomètres, entre Saint-Louis. Cette ville qu'on veut construire, c'est en face de la mer, c'est donner de l'avenir aux gens qui habitent sur place. Alors, de se dire qu'on peut développer, on peut créer, on n'a pas forcément besoin de prendre un bateau pour aller loin. Alors, dans quelques instants, on accueillera ici Thomas de Richebourg, qui est un des acteurs mondiaux importants sur le traitement des déchets. Mais pour le reste de la communauté du village francophone, parlons concret. Ce projet, il va naître. Tu es venu aujourd'hui, merci Oa, pour sourcer un petit peu des technos, des acteurs, des partenaires. Si tu devais lancer un appel, entre 5 continents sont connectés au village francophone, des acteurs, des entrepreneurs, de quoi as-tu besoin? Voilà, quels sont tes besoins, tes attentes? Mes besoins, ils sont très simples.
On a besoin d'architectes. On a besoin des gens qui savent utiliser l'eau, travailler l'eau, retraiter l'eau, des professionnels dans le retraitement des ordures, des professionnels dans la construction, des gens qui sont dans l'innovation technologique. Quand on dit Smart City, c'est l'intelligence au service de l'homme et pas le contraire. Donc, on a besoin de tous ces acteurs qui peuvent nous aider à concrétiser. Ben, c'est un rêve, mais avant que les hommes y volent, il y a quelqu'un qui l'arrive. Et aujourd'hui, on peut faire une ville nouvelle en Afrique en utilisant les connaissances et en travaillant qu'il y a un vrai échange entre eux. Moi, je suis français, j'ai grandi en France, même si je suis né au Sénégal. Et voilà, ce pont-là, ben, c'est la parfaite. Tu en as une excellente illustration. Ça, c'est vrai, à l'illustration. Et je sais qu'avec d'autres artistes qui sont autour de toi, cette volonté de ces artistes, de parfois aller en Afrique, parfois de deuxième ou de troisième génération, mais qui ont ce lien, ils ont envie d'être aussi des ponts. Tu peux nous le confirmer, ce sera la conclusion. C'est très simple. Hein. Aujourd'hui, quand on retourne dans nos pays d'origine, eh ben, y a des choses qu'on aimerait recevoir et revoir de la même chose des pays d'où on vient et qui ne sont pas actuellement. Et l'idée, c'est de se dire, c'est que si j'arrive demain à ce que je vis en France, je voudrais le vivre de la même manière au Sénégal. Et je ne suis pas le seul là-dessus. Et il n'y a pas que les artistes, c'est monsieur tout le monde. Voilà. Alors, je parle de sécurité, je parle de santé. Juste aller faire son shopping. Bien sûr. Et l'éducation, j'en parle. Alors, évidemment, moi, je m'adresse au collectif EdTech, HealthTech, enfin, l'ensemble des 33 collectifs, je pense, ont des belles choses à faire. On va vous mettre en relation, et c'est, je pense, Lamia également qui aura un relais sur ce projet. Si vous avez des contributions, des idées, des technologies sur ce projet-là, eh bien, on est à votre écoute. Vous connaissez, c'est le canal habituel. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Tu verras la communauté et puis on va se retrouver à plein d'endroits, à commencer par notre ville de Paris dans pas longtemps. Merci. À très vite. Merci. Très bien. Désolé. C'était super. Je salue juste. Bonjour Denis. Vous connaissez avec Thomas. Voilà. Et puis bah, je te, bah, du coup, je te, ton interview. Ouais, juste là. Ok. Allez, Inès, tu nous dis quand c'est.